toujours quand Darko se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Un peu tardé. Va. Hey. 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 Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Jaïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à imaginer ce genre de ces trucs là. J'ai même pas fini avec les filles. C'est les garçons qui maintenant qui est. Oh. Vos yeux alors vu non. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça me dépasse. On a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On a souffert. On a souffri. On a trop souffri. Non, jusqu'à moi, si je chantais dans les louanges de la CIA TV, Kourou, merci. Tchaï! Non, je confirme maintenant que quand on est champion, on est champion. Francis Ngannou, pardon, ce que je te demande seulement. Va partout, va dans tous les coins, va dans toutes les structures au Cameroun. Parce que partout où tu passes, on va voir les images. Là, on va voir les faiblesses de chaque structure. On va voir les défauts, on va voir les problèmes de chaque structure. Nous sommes là à la CIR TV, salle d'attente. Oui, il n'y a pas la clim. Mais ce qui me plaît le plus sur cette image, c'est l'employé de la CIR TV qui balance ça à l'extérieur. Vous voyez que Ngannou est assis là, à la salle d'accueil, et il y a les caméras de surveillance. Donc, sur une image qui vient de ces caméras de surveillance là, que l'employé a balancé sur la toile, que comme vous chantez les louanges de la CIA TV là, voilà ce que nous on vit à la CIA TV. Et il n'y a pas la clim. Ngannou lui-même, il arrive là-bas, il constate qu'il n'y a pas la clim, on prend la doise, on met l'air sur lui, le gars valide. Ngannou, gars, comment toi-même, c'est toujours l'humilité comme ça là, mon frère. Fallait donner même, tu es milliardaire, non? Donne même 10 000 que. Allez, il y a les ventilateurs chinois. À l'entrée même de la CIA, tu y a un gars qui vend même ça. Tu donnes même 10 000, on achète un ventilateur. S'il n'y a pas la clim, on branche même d'abord. Aïe! Mon frère, c'est-à-dire qu'on n'a plus honte. La honte là même n'existe plus chez nous. Un champion du monde, c'est-à-dire que moi-même, quand je regarde Ngannou, Ngannou a comme impression que. Donc c'est que Ngannou même ne reconnaît. Je me demande si Ngannou reconnaît même sa place. Sauf si veut seulement aussi exposer certaines difficultés de notre pays, vraiment certains trucs qui ne marchent pas. Grand frère, tu arrives, on t'accueille à la chaîne nationale dans une salle d'attente, d'accueil, sans clim. Tu t'assois aussi. On met l'air sur toi avec la doise. Tu valides quoi, grand? Tu valides quoi? Tu ne veux pas sortir, rentrer? En tout cas, grand. On copie juste ta façon d'être humble là, mais moi je ne peux pas accepter ça, mon frère. Quand toi-même tu pars, tu étais en Arabie Saoudite, tu étais aux États-Unis, tu étais en France, tu étais partout dans le monde, mon frère. Partout on t'accueille, là il n'y a pas la clim, grand. Il fallait aussi dire à tes gens là-bas à la CIA TV que non, franchement, je suis quand même, je suis plus champion. Tu n'es plus champion du Cameroun, hein. J'ai comme impression que tu fais comme si ta vie t'appartient encore. Dès que tu vas marquer un peu, un petit pas seulement, nous serons derrière toi, Ngannou. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie t'appartient. Nous, on va te suivre maintenant comme, hey, comme le vent. Partout où tu parles, nous, on est seulement derrière toi. Tous tes mouvements, nous, on contrôle. Oui, c'est ça un champion. Désormais, sache que c'est comme ça. Ta vie, dès que tu tousses seulement, nous, on va bavader. Mon frère, tu pars t'asseoir où comme ça? Elle, la dame est aussi là. Mais elle est. Ouais, champion du monde. Les caméras de surveillance sont là qui filment. Si on avait dit à la femme là un jour qu'elle devait être star, donc elle devait aussi passer partout sur les réseaux sociaux comme ça. Meilleure, donc celle qui met l'air sur Ngannou officiel. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Celle qui mettait l'air sur Ngannou à la salle d'attente officielle. À la salle d'accueil. Mais ça c'est du sport. Tu montres aussi à Ngannou que tu peux aussi faire. Et la boxe, mon frère, non, c'est, dans la boxe, ce n'est pas avec deux mains. C'est... dans le pays, sinon, je vous respecte. Charles Nongo, on a vu. Merci.
Autorité administrative, autorité religieuse, autorité traditionnelle, promoteur des shopping. Mesdames et messieurs, ceci vous concerne. N'achetez plus vos vêtements de luxe et vous lavez dans n'importe quel pressing. Désormais, la solution, c'est chez Mr. Clean. Mr. Clean est le meilleur pressing dans la ville de Yaoundé. Désormais, pour tous vos problèmes de ménage, les chaussures, les habits, les moquettes, les tapis, dirigez-vous directement chez Mr. Clean. Mr. Clean est situé à Ngousso, face Total, à Emana, face Mesafi, à Bastos, Carrefour, Moto Georges, village des jeunes au niveau d'Etetat, Biemassi, immeuble Express Union, Oja, avant l'entrée du collège Adventiste, Kouaban, avant Santa Lucia, venant de Mimboman, Abia, descend Pharmacie du Soleil. Juste une précision, Mr. Clean importe ses produits de nettoyage depuis la France et l'Allemagne. Donc, n'achetez plus vos vêtements de valeur, de luxe, vous partez laver dans n'importe quel pressing, que parfois, ça... S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.